Ok, donc shalom à toi, bien-aimé, que Dieu te bénisse, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux partager un petit message avec toi. Donc ce matin, j'ai eu à prendre les transports en commun, les minibus qu'on appelle communément chez nous les BACA. Si tu es en Côte d'Ivoire, normalement, tu connais ce langage. Et on va dire, ils ont fait sortir de nouveaux modèles récemment. Et c'était ma première fois aujourd'hui d'en monter. Et je marchais, donc avant d'arriver au niveau de la gare où il fallait emprunter, je marchais. Et il y avait une jeune dame juste devant moi. Et toutes les deux, nous marchions. Et le véhicule, donc le BACA, est venu juste devant. Depuis quelque temps, on va dire depuis la sortie, j'aspirais ou bien je souhaitais pouvoir entrer aussi dans ce BACA parce que les autres ont un peu de complications. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et donc, j'arrive, je vois le BACA, mais la dame est montée juste avant moi. Et j'ai eu un petit pincement au cœur. Et quelques secondes après, il y a un autre véhicule du même type que je voulais est venu juste devant moi. Et à partir de ce moment, il y avait de la place et j'ai pu entrer. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est comme ça. Souvent, nous voyons des personnes autour de nous qui sont bénies. Nous voyons des personnes autour de nous qui... Peut-être tu désires un enfant, tu vois quelqu'un d'autre a eu un enfant et tu te dis, Seigneur, à quand mon tour, à quand mon tour? Le Seigneur me dit de te dire, ne t'inquiète pas. C'est lui qui a fait pour A, il le fera pour B. C'est quoi, tu cherches du travail? Chaque fois que tu entends que quelqu'un a eu du travail devant toi, réjouis-toi avec la personne. Et ensuite, pour toi viendra. C'est quoi le mariage? T'inquiète. Réjouis-toi avec les nouveaux mariés, célèbre avec eux, achète des dons pour les offrir. Bientôt, nous célébrerons le tien aussi. Donc, la vie, il n'y a pas de voie droite. Tout le monde va passer par une période et tout le monde va surmonter cette période. Dis-toi que tu es dans la phase d'enseignement. Dis-toi que tu es dans la phase de formation afin de mieux gérer ta bénédiction lorsque tu l'auras. Tel était le message du Seigneur pour toi en ce jour. Et Habacuc 2, verset 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je te laisse sur cette belle parole et que Dieu te bénisse. Si tu es nouveau sur cette page, je t'invite à pouvoir t'abonner, liker, commenter. Dieu te bénisse. Shalom.